avant tout est l'entraîneur de l'équipe CFA du SC Villetranche Beaujolais. Stéphane, c'est une première à Armand Choupet, une nouvelle pelouse, une victoire, c'est intéressant. Ouais, c'était impératif même sur un premier match comme ça sur un billard, parce que c'est une pelouse magnifique, on a un outil de travail qui est extraordinaire, donc il fallait être à la hauteur. On a eu du mal, on a eu une première mi-temps laborieuse. Je suis content que le public est resté parce que c'était quand même très 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 faible. Après voilà, il y a eu une réaction, il y a eu encore une fois, je vais pas dire le sauveur caladois, mais toujours le même qui mérite ces choses-là, cet homme qui marque, bah, c'est bravo à lui, bravo à ce qui s'est passé sur cette fin de match, parce qu'il y en a eu des joueurs comme Diarra Souba, comme l'entrée de Maxime Jass aussi qui a fait beaucoup de bien. Donc on est content forcément d'avoir gagné. Alors après voilà, la première mi-temps on va la mettre de côté, on va savourer quand même cette victoire et puis voilà, on est toujours dans notre objectif d'aller chercher le plus haut possible. Il reste 3 matchs, on est à 4 points de la 4e place, et ben voilà, on va tout faire pour aller la chercher. Stéphane, dans les 3 matchs, il y a 3 matchs intéressants. Tout d'abord la semaine prochaine, déplacement au Puy. Ensuite retour à domicile le 13 mai lors des 90 ans du club, la réception de MDA Chasselet pour un derby. Ouais. Donc avant Chasselet, il y a le gros match du Puy, tu l'as dit. Voilà, le Puy joue la montée encore. Donc ça va être un match difficile chez eux. Il va falloir qu'on mette d'autres ingrédients, parce que si on fait une première mi-temps comme ça contre le Puy, bah, ça risque d'être très compliqué pour nous. Mais voilà, on va préparer ça, on va préparer ce match comme il faut. Et puis après, voilà, tu l'as dit, il y a un derby dans 15 jours, dans 3 semaines ici, surtout pour les 90 ans du club, c'est important. Il va y avoir beaucoup de monde, il faut marquer les esprits encore pour ce match comme ça. On a marqué les esprits, entre guillemets, d'avoir gagné ce premier match. On a le match du Puy la semaine prochaine, il va falloir qu'on soit bon. Et puis après, voilà, on va prendre match après match, mais déjà le plus. Stéphane, une pensée énorme pour l'entraîneur Landry Nzana, qui est parti avec la réserve ce soir, qui a été chercher la victoire également importante, celle-ci. Ouais, elle n'était pas facile, il n'y a pas de match facile. Voilà, Landry est allé aider l'équipe réserve pour cet objectif qui est important pour le club, la montée en honneur. Il n'y a pas de petites équipes en honneur régional, tous les matchs sont compliqués, on l'a vu encore aujourd'hui. À la fin du match, j'avais entendu qu'il y avait un partout, donc on a dû marquer à la fin. Donc voilà, c'était important, donc c'est bien, tant mieux pour tout le monde, tant mieux pour eux. Et puis Landry sera là pour les 90 ans. Deux buteurs, Tom Antoana, Daniel Baghidi. On va retrouver tout de suite Tom Antoana qui va nous dire ses premiers pas sur cette nouvelle pelouse. Bah écoutez, c'est vrai que ça fait très plaisir de jouer sur un terrain comme ça, même si bon, Choufet était bien malgré l'hiver. Mais là, une nouvelle pelouse, un beau terrain, on n'a plus d'excuses, donc ça fait très plaisir. Merci à la mairie. Merci à certaines personnes et maintenant c'est à nous de faire le job sur le terrain. On l'a mieux fait en deuxième mi-temps, c'était plus difficile en première mi-temps, mais on a fait le travail, c'est bien. Thomas, à finir ce championnat en beauté. Le prochain match, ça sera la semaine prochaine du côté du Puy. De retour à Choufet pour un derby face à MDA Chasselet. Oui voilà, on va finir la saison du mieux qu'on peut, maintenant on a un objectif. Le deuxième buteur qu'on retrouve tout de suite, Daniel Baghidi, important ce deuxième but, Daniel. Hein. Ouais, très très important parce que bon, on va dire... La physionomie du match, elle est très très spéciale. On avait vraiment à cœur de faire un gros match devant tout le monde, devant nos familles, devant les supporters, devant le public, tout le monde. Donc il y avait quand même pas mal d'émotions. Bon, on va dire la première mi-temps, elle était très très moyenne. Deuxième mi-temps, on a poussé un peu plus. Tom et Marc, ça nous fait du bien. Et puis moi, je tue le match. Bah, franchement, ça nous a vraiment libérés. Et tant mieux pour la fin du match, on a bien géré. Daniel, finir ce championnat en beauté. Pour l'objectif, on le sait, c'est le top 5, voire le top 3. Ouais, c'est clair, de toute façon, on va finir du mieux possible. Bon, on a beaucoup de regrets par rapport à la saison, mais bon, on va pas en reparler à 10 ans. Maintenant, c'est clair qu'il nous reste encore 3 matchs. Si on peut faire les 3 victoires, et ben, on les fera. Voilà, on remercie les débuteurs de la soirée pour cette première à Choupet, Tom Antoana et Daniel Baghidi.